monde! Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est pas un vlogmas que je vais vous offrir, mais c'est mon guide cadeau du temps des fêtes. Je voulais le faire depuis longtemps, mais avec le vlogmas, je voulais pas vous donner deux vidéos en une journée, vu que cette vidéo-là est vraiment dans le thème de Noël. Je me suis dit pourquoi pas l'inclure dans mon vlogmas. Puis c'est vraiment des idées qui sont super le fun à recevoir, autant pour les parents, notre copain, des fois. J'ai quelques idées qui sont plus pour hommes. J'avoue, j'en ai pas beaucoup parce que je trouve ça super difficile. Là, je viens de faire mes cheveux, là, pis j'ai comme des petits cheveux de bébé qui sont dans les airs, qui veulent pas aller d'aucun bord, pis là, ça me fatigue, là. Ma première idée de cadeau, c'est un truc plus électronique, donc ce qui va bien faire pour des hommes et des femmes aussi. Ce serait un petit speaker Bluetooth comme ça. Moi, je trouve ça pratique, j'en ai déjà un, pis je le traîne vraiment, mais vraiment partout, genre dans mon auto, chez mes amis, dans ma chambre, dans... la salle de bain quand je prends ma douche. J'aime vraiment ça écouter de la musique 24h/24. En passant, si vous me suivez pas sur Spotify, vous irez, je publie vraiment une playlist à chaque mois. Fait que je trouve que c'est vraiment un super bon petit cadeau, c'est facile à donner. Celui que j'ai ici, c'est de la compagnie Quartz Studio. C'est une compagnie en ligne que vous allez retrouver. Ils en ont environ 3 sortes de petits speakers Bluetooth comme ça. Celui-là, c'est plus performant, il est plus gros, il est plus lourd. Sauf qu'il y en a d'autres qui sont plus petits, qui sont plus faciles à transporter, plus ronds. Il y en a en rose, vraiment de tous les genres. Celui-là, il est gris, donc pour les hommes, je pense que ça ferait vraiment un bon cadeau aussi. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que la compagnie m'a offert un coupon promo pour vous. Parce que une des filles avec qui j'allais à l'école secondaire, c'est partie en business et elle travaille maintenant pour eux. Fait que là, on s'est un petit peu écrit tout par courriel et puis elle m'a donné un 15% de rabais à vous donner à mes chers abonnés. Fait que vous irez dans la barre d'informations, toutes les infos vont être là. Je pense que c'est aussi une bonne idée de recevoir des écouteurs parce que les petits qui viennent avec nos Apple et tout, là, je trouve qu'ils sont assez chupettes. Quartz Studio, ils en font vraiment quelques sortes. Ils en font des plus gros, là, vraiment, comme les espèces de casques qui sont super bons en passant. Puis sinon, ils ont ceux-là. Mais en gros, c'est des Bluetooth, puis ils ont pas de fil, fait qu'ils sont vraiment parfaits quand vous voulez faire du sport. Aller courir et tout, ils s'accrochent super bien. Ils sont Bluetooth, c'est facile, c'est magnifique, puis en plus ça vient avec un petit case super cute comme ça. Ma prochaine idée de cadeau, c'est aussi convenable pour les filles et les garçons, et c'est des lunettes. Et puis, cette année, j'ai découvert la boutique Bon Look. Je pense que c'est vraiment, ça fait fureur partout sur internet. J'avais acheté ma première paire, qui sont ceux-ci. Au mois de juin dernier, en gros, fait que ça fait vraiment pas longtemps que je les ai. Et puis tout récemment, j'ai eu la chance de recevoir aussi... ceux-là! Fait en gros, c'est le exact même modèle, c'est les Nadine, mais ils sont dans la couleur pink tortoise. Là, vous voyez un reflet, mais je les trouve plus original, puis je trouve que ça ajoute quelque chose à un outfit qu'on est habillé tout en noir comme que je suis aujourd'hui. Ma prochaine idée de cadeau, c'est plus pour les filles, et c'est tout ce qui est chez Lush. Tout ce qui est produit pour le bain, genre les bombes pour le bain, les pains moussants et tout. Je suis vraiment fan de ça, surtout en hiver, parce que ben il fait froid au Québec, puis c'est le fun de prendre un bain chaud des fois. Et puis, quand ça vient le temps d'être Noël, Lush sort souvent des petites boîtes comme ça. Ça, c'en est vraiment une petite, mais ils sortent vraiment des grosses boîtes avec plein de produits à l'intérieur. Puis honnêtement, je trouve que c'est vraiment un super bon cadeau pour soit les bonnes Noël, un échange de cadeaux à 25$ si vous voulez, mais aussi à n'importe quel ami. Un autre classique que je pense que j'ai mentionné l'an passé, puis que l'an passé c'était vraiment super in. Moi, honnêtement, je les porte encore tout le temps, mais c'est mes fameux bracelets Alex and Annie. J'en ai 3, j'en ai un silver puis 2 gold, puis pour vrai, je les trouve vraiment beaux ces bracelets-là. Ils sont pas trop chers, sont vraiment super cute pour vrai. À chaque fois que je les porte, j'ai vraiment beaucoup de compliments. Puis ils en font plein avec des lettres, votre signe astrologique, ils ont toutes comme une espèce de petite histoire derrière eux. Fait que je trouve ça vraiment le fun, puis c'est écologique en plus, fait que c'est un plus. Une autre idée de cadeau, ben, c'est le format dont je veux vous parler. Mais en gros, c'est des bouteilles d'eau Swell. Moi, je vois ça vraiment partout, puis je les trouve tellement belles. J'en ai vu plein au Chapters, au Indigo et tout, et dans les boutiques de sport, mais c'est des bouteilles d'eau qui sont un petit peu plus chères que d'habitude, mais c'est des bouteilles qui gardent aussi bien le froid que le chaud, fait que je trouve ça super pratique. Moi, celle-là, je suis vraiment contente. C'est une de chez Reversa, la compagnie cosmétique que j'ai reçue. Parce que la mère de mon amie Béatrice travaille pour eux. Bref, je l'ai reçu, mais c'est vraiment le exact même format que les bouteilles sortent. Puis je les trouve super belles, honnêtement. Là, je trouve que ça fait une bonne idée de cadeau pour ceux qui s'entraînent, qui vont courir, qui font du sport ou juste les gens de bureau qui veulent un café chaud. Un autre cadeau maintenant qui va de non dispendieux à très dispendieux dans quelques cas, c'est un agenda. Cette compagnie-là, c'est de Erin Condren, j'ai de la misère à dire ça, mais c'est Alexandra Larouche sur YouTube qui m'a fait découvrir ça il y a quelques mois. Fait que j'ai juste de commander mon nouvel agenda pour l'année 2016, puis je le trouve super beau. On voit pas super bien à la caméra là, mais c'est comme un print qui est blanc-gris. Puis je l'avoue, celui-là il coûte assez cher, merci, mais je trouve que c'est vraiment un bon investissement, surtout si vous êtes
une femme d'affaires ou si vous connaissez quelqu'un qui est une femme d'affaires, un travailleur autonome, je pense que c'est toujours quelque chose qui est le fun à avoir chez soi, dans sa sacoche et tout. Pas non plus obligé de payer aussi cher pour un agenda, mais il y en a plein dans les Renombrés, les Chapters, les Indigo et tout, que vous pouvez trouver à beaucoup moins cher. Finalement, je vais pas en surprendre beaucoup, mais des gros chandails, des cardigans, des foulards, tout ce qui est item mode qui est comme réconfortable, chaud et juste comfy, oversized. Moi, je pense que les filles, on aime vraiment recevoir ça en général. Là, je vous montre mon préféré du moment, que si vous suivez mon vlogmas assidûment, vous avez vu dans mes deux derniers ou trois derniers vlogmas. Mais c'est mon super gros cardigan oversize de la compagnie Liv & Charlie. En plus, c'est pas fait en Chine, etc. C'est fait aux États-Unis, au Québec et c'est vraiment des compagnies qui sont fun et intéressantes. Fait que je vous mettrai le lien de ce cardigan-là en barre d'infos. C'est juste le plus beau cardigan ever. Il est oversize, il est gris, c'est de la grosse laine, il est chaud. Mais il y a plein d'autres choses aussi sur la boutique Liv & Charlie que j'aime vraiment beaucoup. Fait que vous irez voir en barre d'informations encore une fois. Comme pour tous les items que j'ai mentionnés. Fait que voilà, c'est tout ce qui met fin à mon petit guide de cadeaux temps des fêtes. J'espère que vous avez apprécié. Sinon, laissez-moi savoir en commentaire c'est quoi votre cadeau qui se retrouve en haut de votre liste que vous avez donné à vos parents ou peu importe. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous avez demandé. Donc là-dessus, je vais vous dire à la prochaine, ce qui est en fait demain. Fait que là-dessus, merci beaucoup d'avoir écouté. On se revoit demain pour mon prochain vlogmas. Et sinon, d'ici là, je vous aime beaucoup et faites attention à vous. Et bye!